Alors, comment ça fonctionne? Oh là 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 là! Salut à toutes et à tous, il est 16h! J'espère que vous allez tous très bien! Pour ma part, oh magnifique, ça va nickel! On se retrouve en hélicoptère comme promis, les gars, pour ce 7ème épisode de Far Cry 6. Oh, c'est magnifique! Rendez-vous la ferme pour déposer la viande au chien chorizo. C'est quoi ce qu'on voit là-bas? On peut pas sortir le téléphone, c'est dommage. On dirait qu'il y a une grande statue tout au fond là-bas, c'est un peu particulier. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de voir ça. Merde ! Mince ! Ok, ça c'est fait. Alors, on va... C'est pas facile, hein. On va se poser ici. Oh, bien. Ah, j'ai fait ça bien. Très bien, allez, on va donner à manger au chorizo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez cette série. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce con? N'oubliez pas le pouce bleu. Je commence à minuit et il est pour m'encourager si mon contenu vous plaît. Et puis, devine ce que j'ai. On livre la viande. J'ai jamais vraiment aimé les chiens. Ah. Mais avec toi, c'est différent. Ouais, il est mignon. Alors, ça devrait suffire pour qu'on devienne pote, non? Non? Mais si. Ça y est, c'est ton pote. Allez, c'est qui le bon toutou? On se demande bien c'est qui, ouais. Ça, c'est fait. Va chercher, histoire de Yara. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore caresser chorizo. Non, mais c'est une blague. Attendez, me dites pas qu'il me demande encore quelque chose. Chorizo a quelque chose à te montrer. Ok. Hey, tu vas où? Tu veux que... Qu'est-ce qu'il va me montrer, les gars? Il va me montrer du saucisson. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est pour moi? Oh. Bien joué, la petite saucisse. Oh, un petit matériau de bricolage, très bien. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Où m'emmènes-tu? Où m'emmènes-tu? Ok, t'as encore quelque chose ici, c'est ça? Un autre cadeau? Chorizo, t'es trop sympa avec moi. Ouais, ouais, maintenant il te kiffe, hein. Oh là là. Hey, viande mal, de canard, viande de huitia et viande de lièvre. Je ne sais pas ce que c'est que le huitia, mais c'est plutôt cool. Oh, attends, bouge pas. Service des armées, soldats disparus. À la lumière des récentes et soudaines disparitions de trois soldats à Siniestra, une enquête officielle a été réclamée par le commissionnaire des FND de Madrugada. Les rumeurs selon lesquelles c'est la faute à cette foutue mangouste ne sont pas suffisantes pour empêcher l'ouverture d'une enquête approfondie. Mais encore, ah, ça c'est pour moi. Merci. Bon chien. Une clé, une clé. Ok, une clé. Oh my god! Les gars! J'ai envie de chialer! Pagan mine! Alors je sais plus comment il s'appelle là dans Far Cry 5. Et là, Vas. Non mais sans déconner, les gars. Disponible bientôt. Si vous possédez ce contenu, vous pouvez inviter un partenaire, même si c'est dernier. Mais c'est incroyable, c'est des extensions quoi, que je n'ai pas. Mais ok. Oh là là, c'est trop stylé. Merci pour ces clins d'œil. Attends, frérot, t'es où, chorizo? Reviens. Chorizo, hey, reviens. C'est la nouvelle recrue. Ouais, c'est moi, y'a quoi? Ah, merci. Eh, hey, c'est une ça chasse au trésor, hein. Je suis vraiment trop guidée. C'est une chasse au trésor, là, qui nous fait, chorizo. Alors, j'ai pas envie de passer tout l'épisode comme ça, mais en tout cas, merci, hein. Philly est au courant? Il nous régale. Hein. Quelle question. C'est lui qui a dû te donner tout ça à planquer. Merci, chorizo. Drôloc. C'est le début d'une belle amitié. Oh, une médaille. Merci en tout cas. C'est gentil. C'est gentil. Je ne regrette pas de t'avoir ramené à manger en tout cas. Voilà. Hop, niveau 4. Il se passe beaucoup de choses. Discuter avec... Espada. Est-ce que c'est toi, Espada? J'ai besoin de ton aide pour trouver ce lieutenant. D'accord. D'après notre ami, il serait allé sur l'île privée de Napoléon El Pequeño. Toi et moi, on va prendre un bateau depuis Siniestra jusqu'à Cayo Villarreal. Si on élimine cet enfoiré, toute l'opération de José tombe à l'eau. Mais gardons ça pour nous deux, d'accord? Papa subit déjà assez de pression en ce moment.
Ok, bah on va le fumer là, ton lieutenant, y a pas de problème. On se retrouve au bateau. Y a pas de problème, ma petite copine. J'ai déjà oublié comment tu t'appelles. Ok, du coup, direction ici, Sinestra. Très bien, bon, on va y aller de ce pas, j'ai pas de téléportation rapide. Attends, juste, vraiment, ça n'a pas été... Non, c'est toujours... Putain, mais je ne comprends pas pourquoi cette zone est toujours... Attendez, pour comparer... Ah, j'ai compris. Rappelez-vous, ici, c'était aussi un site anti-aérien. Et en fait, dans tous les cas, ça restera une zone protégée, d'accord. Ok, bah ça répond à ma question. Que vous m'avez peut-être éclairé en commentaire. C'est par où la sortie, là? Ah, ça, c'est les combats de poules. C'est les combats de poules. Alors, tu veux t'amuser un peu? Non, j'ai pas envie, toi tu veux quoi? Ok, voilà le topo. Je suis le meilleur éleveur de coqs de combat du coin. On verra plus tard. Ah, sérieux? Ouais, Elvis, je suis désolé. Moi, on doit rester là. Désolé, Elvis. Allez, nous, on va s'occuper de notre mission. Attendez, là, on va prier. Hop. Bénédiction. Voilà, petite bénédiction. Et on s'arrache. Ah, c'est par ici, je trouvais plus la sortie. Est-ce que mon hélicoptère est encore là? Bien sûr que oui. Parfait. Bon, on va y aller en hélicoptère. Merde. On n'a pas cassé leur truc pour rien, hein. On est là pour voler. Mais arrête de me parler de zone d'exclusion aérienne. Ça n'existe pas avec moi. Ça n'existe pas avec moi. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est par où? C'est par là. Qu'est-ce qui se passe? Merde! Pas fait exprès. Oh! Très bien. Alors... Ça, c'est fait. Non, ma première mort. Non, attendez, tout cela. Et vous savez quoi, les gars? C'est entre nous. Contrôle Z, les gars. C'était une hallucination collective. Je pense que. Ah non, mais sans déconner. Dans quel état il est, mon truc, quoi? Ah là 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 là. Et il est encore là? Je suis sur l'hélicoptère. Ah bah du coup non. Très bien. Oh là là, c'est chiant. Bon allez, donne-moi un cheval. Allez, mon grand. Hop. Vamos. Vamos à la playa. Mais lui dit pas doucement, nous on veut tracer là, on a pas que ça à faire. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai l'impression par contre que tout le let's play se passe de nuit et c'est un peu chiant. Je vais pas vous mentir, il fait tout le temps nuit. Mais c'est bien aussi. Allez, direction le bateau. Espada, elle s'appelle notre nouvelle copine. On a beaucoup de partenaires et au fil du jeu, les gars, il va y en avoir beaucoup. C'est assez effrayant. On va jamais retenir. Ah, c'est vraiment trop stylé là, les petits chemins. Je crois que j'ai buté un civil. Je suis mort. Attendez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose ici. On est à l'atelier magique de Philly. Ah oui, on est à l'aérodrome. L'accès à la grotte Blue Hole est interdit à tous les baigneurs, quel que soit leur âge et leur expérience. Mais si vous pouvez pouvoir retenir votre souffle. Même si vous pouvez. Ouais, bref. Ne... Allez. Je sais pas lire. Je suis un petit peu un illettré. Calme-toi, t'as rien à craindre. Il y a encore quelque chose par ici. D'ailleurs, on peut prendre un avion là, je pense. Je pense qu'on peut prendre un avion. Alors là, ça nous intéresse pas trop, mais. Certains soldats ont laissé entendre qu'ils attendaient un ravitaillement militaire pas loin d'ici. Dépêche-toi si tu veux arriver à temps. Ça en vaut la peine. Attaque, puis distribue. N'oublie pas de remercier la dame et ses fidèles fous et cavaliers. Ok. Ah, en fait, c'est des cibles. Oh putain, mais il y a des. Oh. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a tellement de choses partout, quoi. On dirait pas, mais. Oh. Franchement, mission principale, vas-y. Mission secondaire, mission tertiaire, j'ai envie de dire. Mission bonus. Regardez, là, on peut intercepter la cargaison là qui passe. Oh. Il y a beaucoup trop de choses. Par contre, on va où là? Vas-y! Allez, cheval! Saute! Parfait. Attends, lui, on va le sauver. Attends. Hop! C'est bon, j'ai failli me faire fumer. J'ai failli me faire fumer, les gars. Voilà. Attends juste ce qui passe. Voilà. J'ai failli me faire fumer. Cible perdue. Faut fouiller. Elle est pas loin. Mais non, y a pas de cible, frérot, c'était moi. C'est pas juste. On a...
Ennemis repérés, pas de pitié. Bouclier en position. S'il vous plaît. Viens, mais... Hop. Connard. Pas vrai, ça. Je suis là, Pao. Ça fait une bonne action. Je sais. Merci. De rien. Avec plaisir. J'ai perdu mon cheval à cause de toi, quand même. Oh, le lapin. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde a besoin d'aide ici, c'est assez pénible. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Arrête! Non! Oh non! Oh, je peux la réanimer, c'est bon. Tout va bien. Nécessito un médico! Gracias! T'as trouvé quoi? Danny, on prépare une embuscade. C'est le moment de rappeler à ces soldats que c'est nos terres. Aide-nous, s'il te plaît. Merci mille fois. Oh là là, et maintenant on a une embuscade qui est prévue dans la ville à Lausania. C'est pas à côté, mais c'est ici. Non mais regardez, il y a trop... ici, cible militaire, ici. Embuscade. Évidemment, on a toutes les cibles militaires un petit peu partout. Là, on a je ne sais combien de choses. Et puis évidemment, je rappelle que sur notre île de départ, on a encore plein de trucs secondaires à faire. Hein? J'en peux plus. Eh, on ne peut pas critiquer. Eh? Allez, Chorizo! Oh, mais Chorizo m'accompagne maintenant. C'est trop mignon. Chorizo est avec moi. C'est plus le crocodile. Bon, bref. Ceci étant... mais ils savent pas rouler, hein. Ils savent pas rouler, ma parole. Frérot, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourtant tu m'as reconnu, non? T'as bien vu que j'étais un peu la meilleure sur cette île, non? Complètement con, ce mec. Bref, allez, rendez-vous, ok, perdons pas plus de temps. Il se passe trop de choses. Et j'adore ce jeu, voilà. On sait pourquoi on l'a acheté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment, ça fait toujours aussi plaisir, hein. Ça fait beaucoup de risques pour un seul lieutenant. Si ça te plaît pas, tu peux nager. Pouf. Joli bateau. C'est le tien? Non, je l'ai piqué. Quand j'étais petite, papa m'a appris à court-circuiter les tracteurs. Les bateaux, c'est pas très différent. Hé, faut trouver un médecin pour Carlos. Bon courage. Il crache du sang, il a besoin d'aide. Une fois, papa m'a emmené pêcher, au sud de Costa del Mar. C'est un bon fermier, mais un mauvais pêcheur. Aucune patience, incapable de se servir d'un hameçon. Il arrêtait pas de coincer sa ligne au fond. Il s'est même accroché la lèvre. Ça l'a tellement énervé qu'il a balancé de la dynamite dans l'eau. Ça a tué plein de poissons, mais ça a surtout fait un trou dans notre bateau. On a nagé 5 km jusqu'à la rive. Des gens sur des bateaux ont voulu nous aider, mais papa les a envoyés chier. C'est quoi le rapport avec la maladie de Carlos? Ce que je veux dire, Dani, c'est que c'est pas demain que Carlos Montero acceptera de l'aide. Cogno, les Montero, ce que vous pouvez être borné? Pas moi, juste papa. Ouais. La ferme. Putain de tabac. C'était censé enrichir le peuple. Enfin, c'est ce qu'avait dit Anton. Si. C'est pour ça qu'il a été élu. Oui. Et on est beaucoup à avoir voté pour lui. On croyait en ses promesses. On pensait que ça allait repartir comme avant. Comme d'un coup de baguette magique. Putain, on s'est bien planté. Si on veut changer les choses, on a besoin de quelqu'un pour remettre ça en ordre. Nous rassembler. Et ce sera pas papa. C'est beau. Toujours aussi politique, moi ça me plaît. Par contre, elle m'énerve à faire des zigzags avec son bateau. Elle peut pas juste tracer une ligne tout droit, ce serait quand même plus simple et plus rapide pour aller là où on veut aller. J'aime beaucoup ces interactions, c'est tellement intéressant les dialogues. Je vous ai promis que je parlerai pas politique durant cette série, mais Donc Carlos n'a pas de plan. Son plan, c'est de ne jamais dire aux autres ce qu'il ressent. Et ne jamais faire confiance à personne, surtout pas à sa propre fille. Simplement se contenter de réagir à ce que Napoléon El Pequeño te balance à la gueule et basta. Il est de la vieille école. Il me rappelle le directeur de mon orphelinat. Un vrai dur, super strict. Mais s'il t'avait à la bonne, il te défendait comme personne. Si on pense comme ça, on va se faire laminer. On peut pas passer notre vie à s'adapter à José. Ça marche pas. Il faut essayer de nouvelles choses. Garder une tête d'avance sur ce fils de pute jusqu'à ce qu'il crève. Je suis d'accord. Bonne réponse, Danny.
cas, j'en pense pas moins. J'adore en tout cas, j'adore. J'espère que vous aussi, j'espère que quelques clins d'œil, vous comprenez quelques clins d'œil, etc. Enfin, voilà. Allez, on est arrivé en tout cas, on n'a rien à faire là. Je comprends pas pourquoi on s'est pas encore fait repérer, tant mieux. Mierda, tu fumes des mexicaines ? Notre tabac est passé au vivero. On peut même plus fumer notre production. Enfoiré de merde. Merde, qu'est-ce qu'il y a ? Cette merde de José Castillo, neveu d'Anton, une vraie enflure. Putain, mais j'hallucine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est avec le lieutenant qu'on recherche. On dirait plutôt un scientifique. Faut qu'on bute Rosé. Non. Tu pourrais blesser le lieutenant. Il fait quoi, là ? Merde. Hé, hey, regarde là. Incroyable. Il faut que je sache où va ce scientifique. Fouillons cet endroit pour trouver des indices. Allons-y. Peut-être que son ami près de l'héliport pourra nous aider. Ok, chercher des informations au sujet du lieutenant. On va faire ça, t'inquiète pas. On va déjà s'occuper des deux Gugus, je pense. On n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis qu'on est en poste ici. Alors, le problème... Oh merde ! Je viens de donner le feu vert à ma femme pour acheter cette maison. Bah, elle peut toujours le faire. T'en butes un, j'en veux, je bute un autre, ou ça se passe comment, dis-moi ? Ok. On va suivre. C'est tellement kiffant. Et genre l'autre avec ses roulettes, là, le chien, il se fait pas cramer, quoi. Ok. Attends, tant qu'on y est, moi je récupère. Hein. Alors. Ok. J'ai déjà failli tout foutre en l'air. Eh, ils ont une vision accrue quand même, les gars. Franchement, par rapport aux autres Far Cry, ils te voient. Mais gros, ils te voient, je les vois même pas. Et ils dégainent tout de suite leur arme, hein, et ça, c'est fou. Ok, donc là il faut que j'aille près de l'héliport. Juste ici là. Enfin, du coup, c'est pas l'héliport. Ah, bah si, oui, c'est là où il y a l'hélicoptère qui s'est posé, oui. Mais là, on va être. On va être dans la galère. Hein. Oh là là. Tu fais quoi, dis-moi? Ok, c'est bon. On avance. Elle, faut qu'on se la fasse. Elle, faut qu'on se la fasse. Félicitations. Vous êtes les plus vrais des Yara. Et vous avez un... Bordel de merde. Madre de Dios. Pour réaliser votre chance, je suis extrêmement sélectif. Ici, sur mon île, vous êtes libre. Libre des contraintes de vos responsabilités. Parfait. Libre de vos obligations futiles. Vous êtes ici. Mais il est où l'héliport ? C'est pas ça l'héliport. Et donner libre cours à vos instincts primaires. C'est pour votre loyauté indéfectible que je vous fais ce cadeau. Y'a rien là.
Mais attendez les gars. Ah non, c'est pas ça l'héliport. Merde, mon chien. Ah. Ok, l'héliport il est là, faut aller là. Est-ce qu'on traverse l'eau? Ça peut être une bonne idée. Ah. Eh, faites-moi confiance. En fait, ce qui me fait peur, c'est le chien. Donc je préfère faire ça comme ça. Voilà. Bon, pour le moment, l'infiltration se passe très très bien. Oh putain. Mais elle est malade, elle. Il y en a, ils cherchent trop la merde. Hein. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Je suis désolé pour les chiens, mais lui, il va nous faire du tort. Yes. Mais wesh. Mais pourquoi ils viennent tout niquer, eux? Bon, nous on va récupérer ce qui nous intéresse. Cher lieutenant Lopez, en reconnaissance des services, vous êtes cordialement invité à participer à une soirée de folle réjouissance à la pointe nord de Cayo, Villarreal. Ok, on a l'info. Apparemment, Rosset a une villa au nord de l'île. On a l'info. Peut-être qu'on y trouvera des infos sur l'endroit où il se planque. Yes. Eh ben, je te propose qu'on y aille. Chercher des informations au sujet sur la pointe nord de cette île. Ok. Eh ben, on va y aller. On va y aller du coup. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je propose qu'on s'arrache. On n'a aucun lien avec eux là. Hein? On se casse. On se casse. Nous, on s'en fout complet. Oh putain. C'est leur problème. Hein. Ils sont chiants parce que nos alliés, ils font des. Ils font des attaques kamikazes comme ça. Moi, j'ai rien demandé, frérot. Hein. Nous, on était infiltrés parfaitement. Eh, c'est quoi? Allez, attaque. Marguez, vas-y, attaque-le, lui, là. Headshot. Headshot. Viens ici. Voilà. Vous avez intégré le cercle. Attends, tant qu'on y est... Ouais, on y va. Alors, je sais, je pense que... Nombreux seront ceux qui voudraient que je fouille tout, etc., que je fasse tout, mais hey, avec tout ce qu'on a à faire, restons focus sur l'essentiel et faisons ça, allez, un peu plus réalistiquement parlant. Voilà, genre là, on a l'info, faut qu'on aille là-bas. On va pas s'amuser à tout fouiller, on va le faire pour d'autres occasions, bien sûr, mais là, de toute façon, c'est une violation de propriété sur toute l'île. Donc, sincèrement, Osef, hein, j'ai envie de dire Osef. Donc là, on va aller à la demeure de José. Donc José qui est le neveu du dictateur. Moi, j'ai eu peur quand j'ai vu le drapeau, là. Je te vois, l'ingénieur. Ouais, regarde, il y a encore un chien. On n'est pas dans la merde. Là, vous... Eh, parce que là, on a de quoi faire, hein, les copains. Ici, je pense qu'on aura de quoi faire. Oh, il y a un sniper, gros, c'est abusé. C'est trop, ça, c'est trop. Elle est où, ma copine? Putain, mais elle est lente. Eh, ma soeur. Viens, ma soeur. Alors. Bon, il y a un sniper. Il n'y a pas de caméra, c'est une demeure, mais il y a un sniper. Le chien, il me fait vraiment peur, pour le coup. Ah, le chien, il me fait vraiment peur. Je suis pas spécialement en confiance. Tu crois que Rosset a un ordinateur par ici? Parle un peu moins fort. Parle un peu moins fort. Est-ce que vous croyez que...
Est-ce que vous croyez que mon chien pourrait attaquer ce chien? Chorizo à l'attaque! Il va jamais y arriver. Quoi? Là, je l'ai envoyé à la morgue. Attends, ils sont en train de tirer dessus là, les salauds? Cramé, ok, très bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut se faire cramer. Je comprends pas. Grenade. Oh non, Danny. Hop, le chien, ça dégage. Tiens le coup, Danny. Danny, je suis là. Voilà, Danny, relève-toi! Grenade! J'arrive! Déchire-t'en ces merdes! Attendez, il y en a un là. Ok. On y va, Chorizo, payé! Je touche! Continue à tirer! Grenade, grenade! T'inquiète, tout se passe bien. Cogno. Ok, faut encore que je découvre où est parti ce scientifique. Merde. Alors. Bon, je pense qu'en fait on pouvait pas s'infiltrer et que toute cette scène était scriptée, je pense. Mais c'est un peu con parce que tu... Enfin voilà, j'étais content moi de faire cette infiltration, tu vois. Et en fait... Oh, c'est la fête là-haut apparemment. Je l'ai trouvé! Pas de mot de passe, idiota. Voyons voir ce qu'on a là. Chorizo, viens! El Pequeño a une salle de torture pleine de parias. Elle est juste en dessous du phare, au sud. Putain. Tu peux me faire entrer? Voilà. Je vais continuer à chercher ici. Bonne chance, Danny. Ah oui, d'accord. Tu me laisses comme ça, d'accord. Entrée de journal arrachée. Diego est vraiment un petit fils de... Pardon, excusez-moi. Là, José, c'est le neveu du dictateur. Et il est en train d'insulter le fils du dictateur. Donc, son... son neveu aussi, du coup. Non, attendez. Je sais plus, les arbres familiaux. Diego est un vraiment un. Anton a donné son nom à l'autoroute qui passe à côté de Segunda. Ça aurait dû être le mien. Sale petite vermine, il gâche toujours tout. Je vais aller dans sa chambre quand il dormira, mais cette fois je vais chier dans ses chaussettes. Bah, c'est son frère du coup. Non, non. Bref, je suis une merde, je suis désolé. Mais en gros, c'est le tonton de Diego, je crois. Encore un autre ça pistolet. Ça doit être ici. Bon. Eh bien, on va repartir de nouveau là-bas. Eh bah décidément. Décidément, on va en explorer des choses. Par contre, si vous le voulez bien, voilà, on va quand même prendre cette cache des FND. Ça peut être plutôt pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop. Ah. Ça, c'est pas bon signe. Je crois que l'île est en alerte. Je crois que l'île... Parce qu'ils font pas un footing là. Mais elle va se faire défoncer là, non? Bon, elle se débrouille, elle sait se débrouiller. Hein. Si déjà elle me laisse seule, faut peut-être pas exagérer. Bon les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. On va quand même essayer de faire des épisodes d'une demi-heure. Ce serait quand même pas mal de réussir à se tenir à ça. Donc on va s'en arrêter là.
Attendez, là il y a du people. On va faire gaffe. On va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Ça s'est plutôt bien passé en vrai. N'oubliez pas le petit pouce bleu et vos commentaires. On se retrouve très vite demain pour le prochain épisode. La direction, le phare, le bunker. Bien sûr, la cage des FND. Je vous fais plein de bisous. Et à demain. Salut tout le monde.